Bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un challenge, mon challenge préféré de l'année. Ah, mais j'adore ce challenge, je l'attends tous les ans avec impatience et d'ailleurs j'ai hâte qu'il commence si vous saviez franchement. Donc on se retrouve tout de suite pour en parler. Oui, donc je suis, voilà, comme je vous le disais, là, pour vous parler d'un challenge, dans mon petit coin, dans ma chambre, parce que, bon, ils sont en bas. La troisième étagère n'est pas finie, donc voilà, on est toujours dans le même petit décor quand je suis dans ma chambre. Donc, le challenge dont je vais vous parler, le challenge que j'ai hâte, que j'aspire voir venir tous les ans, c'est ce Black November. Franchement, j'adore le Black November. C'est que la deuxième année que je le fais, mais je vais vous dire... le Black November de l'année dernière a été un tournant dans ma vie, mais un gros 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 tournant, j'ai l'impression, parce que avant oui je lisais du thriller, mais pas tant que ça. C'est comme si depuis que j'avais participé l'année passée à ce Black November, j'étais devenue accro, mais accro au thriller quoi. C'est un truc de dingue. Maintenant je ne lis quasi plus que ça. Vous verrez qu'il y a encore d'autres chroniques du thriller qui vont arriver sur la chaîne prochainement, mais je lis principalement du thriller, je suis fan du thriller, c'est vraiment... maintenant, c'est quelque chose qui... Le thriller, c'est ma vie. Le thriller, c'est ma vie. Vous voyez les boucles, d'ailleurs, quand vous voyez le peu de boucles que vous avez pu voir dernièrement, c'est du thriller. C'est du thriller, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, du thriller ou du polar, voilà, quoi, c'est... C'est variable, c'est du thriller, du polar, hein. Y a pas que, mais je lis aussi d'autres choses entre deux de temps en temps quand même. Je ne suis pas contre de temps en temps un petit roman feel-good ou quoi, mais je remercie Séverine pour ce challenge parce que c'est grâce à elle que j'ai développé cette addiction au thriller. Oh, au thriller, au polar. Et bah à vrai dire l'année dernière quand j'ai fait ce challenge. J'étais un peu perdue parce que je n'avais pas grand-chose dans ma palle, voilà, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais. Tandis que cette année, je me rends compte, il est temps que ces thrillers sortent de ma palle, parce que j'en ai tellement depuis l'année passée, j'en ai tellement rangé sur un an des thrillers, que maintenant il faut que je sorte de ma palle, quoi. C'est vraiment un challenge. Oh, le Black November, mais j'adore. Vive le thriller. Vive le Black November. Bon. On va arrêter de babuter, hein, déjà 2 minutes 18, tout ça pour vous dire ça. Donc le Black November, ben, vous savez, je vous mettrai donc le lien du groupe en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Tout est expliqué, il y a des catégories, mais tout est expliqué. Je vous mettrai de toute façon la vignette de la vidéo sera la vignette avec les catégories. Bon, vous la verrez avant que je vous le dise, mais bon, j'ai choisi de mettre cette vignette comme ça, c'est plus simple comme ça, vous voyez directement les catégories. Et puis voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il est grand grand temps de commencer. Donc, la semaine du 1er au 3 novembre, oui, je vous ai pas dit donc qu'il y avait 5 catégories et qui se déroulaient en novembre. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais bon, Black November, vous vous en doutez. Donc, on va commencer tout de suite avec la première catégorie qui se déroule du 1er au 3 novembre. Il faut lire un thriller qui soit pas un roman. Donc, ça peut être une BD, un manga, un comics, une nouvelle, enfin bref, voilà. Ça doit être un thriller, mais ça doit pas être un roman. Oui, je sais, vous attendez à ce que je choisisse des mangas. Eh ben non! Pourtant j'en ai, je pourrais choisir des mangas, mais j'ai deux recueils de nouvelles. Je sais même pas lequel lire. Alors donc le premier, oui, c'est l'avantage, c'est l'inconvénient, on va pas bien voir les livres. Voilà, le premier qui me tente énormément, c'est 200. Je sais pas encore lequel des deux recueils je vais lire. Peut-être que je puiserai une nouvelle dans l'un, une nouvelle dans l'autre, je ne sais pas encore vous dire. Sérieusement, je ne sais vraiment pas. Bon, je vous avais parlé de ce recueil un peu plus dans ma vidéo, dans mon dernier book haul, mon book haul de Templemar. Je vous avais dit combien il y avait d'auteurs, je ne sais plus. Donc, c'est le numéro 200 de la collection Poulard en or. C'est 200 et il y a 30 nouvelles, voilà. Il y a beaucoup d'auteurs que je ne connais pas. Il y a des auteurs que je connais, mais que je n'ai jamais lus, bah tiens, hein. On rentre directement en même temps dans la quatrième catégorie. Et bah voilà. J'avoue que je suis assez curieuse. Donc c'est tout du. Ça va plus être, je sais pas, du polar, du thriller, je sais pas. Je sais pas si ça va se passer dans des régions. Dans la région comme d'habitude. Dans la région du Nord, j'imagine que
que les auteurs vont être restés dans la région du Nord, ou alors peut-être qu'il n'y aura pas de région spécifique, je ne sais pas. Enfin voilà. Je lirai certainement quelques nouvelles, soit dans celui-ci, ou alors, bah oui, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente aussi. Vous avez retrouvé des liens, des. Pardon, des romans de ma vidéo précédente. Ça, il n'y a pas. Voilà. Voilà. Ici, donc, il y a aussi 18 nouvelles de Lance à New York. Et voilà. Bah, celui-là aussi, il me fait super envie. Et j'avoue que ben, j'ai envie de me laisser tenter aussi. Mais je piocherai peut-être un petit peu dans les deux. Et je ne sais pas exactement, parce que ben voilà, il y a des auteurs qui se trouvent dans les deux, donc je ne veux pas lire deux histoires du même auteur, et je ne sais pas, je ne sais pas. J'irai un peu au feeling, je verrai. Je verrai. Donc, je piocherai des nouvelles dans ces deux recueils. Je sais que je n'en lirai pas beaucoup, faut pas que je me fasse illusion, du 1er au 3 novembre, le premier étant un vendredi, je crois. Jusqu'au dimanche, ça ira vite, vite, j'aurai pas le temps d'en lire beaucoup. Ça, c'est sûr, mais de toute façon, je vous en reparlerai. Et je le dis souvent, mais cette fois-ci, je vais essayer de m'y tenir. Quitte à me retrouver dans ce décor tous les jours, ou une fois tous les 2 jours, à faire un vlog. À faire un vlog sur. Pas sur tout le mois de novembre, parce que ça va durer. Mais à faire des petits vlogs de 20-30 minutes. Quand je verrai que les petits vlogs vont être à 20-30 minutes. Voilà, je couperai et je ferai le vlog suivant. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de me tenir, parce que le vlog est un format qui me fait envie. J'ai envie de tester, j'ai envie de tenter pour voir comment je me sens vraiment dans un vlog. Donc j'ai vraiment envie là de faire le vlog pour ce Black November. Alors, ah oh, mais non, bouge pas. Oui, je sais, ben, j'ai une perche, mais elle est merdique là. C'est pratique, mais elle tient plus comme elle devait. Donc, mon GSM. Le pot de mon GSM est occupé de l'écraser déjà. Du 4 au 10 novembre. Oui, c'est parce que j'ai les consignes qui sont là. Donc, je baisse les yeux. Lire un thriller qui se passe en huis clos. J'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. J'en ai plusieurs. J'en ai directement qui sont venus en tête. Le problème, c'est que je les ai tous lus. Je les ai tous lus. Si vous voulez des exemples. Je peux vous citer des livres que j'ai vraiment adorés. Entre autres, Claustration de Salvator Mini, 10 petits nègres d'Agatha Christie. Allez, on en parle encore dans le live avec Séverine. Séverine le relit. Shutter Island, voilà. Moi, ça, c'est 3 huis clos que je vous recommande si vous les avez chez vous et que vous voulez participer au Black November. C'est 3 huis clos que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment. Franchement, j'ai adoré ces 3 huis clos. Je n'ai pas envie de les relire. Donc, voilà. Bon, je m'en suis trouvé 4, c'est pas mal quand même. Je m'en suis trouvé certains quand même par rapport aux listes que Séverine a fait sur le groupe. Donc, n'hésitez pas à aller voir le groupe parce que vous trouverez des idées. Vous direz peut-être, oui, ça ne m'inspire pas trop, le challenge, un huis clos, qu'est-ce que je vais lire, je connais pas. Et puis, vous vous direz, ah, mais tiens, j'ai ce livre, mais je ne savais pas que c'était un huis clos. Donc, voilà. Alors, j'en ai sélectionné 4 parce que je n'ai pas su choisir. Si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que personnellement, moi, je n'ai pas su choisir. Après, je sais très bien que je n'enchaînerai pas 2 fois sur le même auteur. Donc, ce sera soit l'un, soit l'autre. Bon, je vous montre tout ça directement. Bon. C'est des très, très vieilles éditions. Alors, j'ai Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie. C'est une très, très vieille édition que j'avais achetée à Emmaüs. Vous voyez, hein? C'est écrit tout petit. J'aime pas trop ça, mais bon. Il n'est pas très gros. Donc voilà, c'est une très très vieille édition que j'avais acquis à Emmaüs. C'était 5 livres pour 2 euros. À ce moment-là, j'achetais beaucoup beaucoup les Agatha Christie pour tous les avoir. Parce que c'est quand même un manque à combler. Il y en a beaucoup que je n'ai pas lu encore. Oui. Donc voilà, Le Crime de l'Orient Express. Bon, voilà. Je vous en dis pas plus. Hein, Agatha Christie, quand même, beaucoup connaissent. Et puis en plus, regardez, je suis même pas de quatrième de couverture derrière. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce roman? Voilà. Je l'avais acheté parce que, ben voilà, Le Crime de l'Orient Express, pour moi, c'était un roman à avoir dans ma bibliothèque et découvrir Agatha Christie plus, surtout parce que j'ai découvert avec les petits nègres.
Et à part ça, j'en ai pas vraiment lu d'autres, je dois vous dire, mais j'en ai beaucoup, beaucoup à lire, et je les traîne dans ma palle depuis des années, et c'est le mal, parce que je suis sûre que ces livres sont très bons. Alors ensuite, une version quand même un peu plus récente, mais que j'avais également acheté donc à Emmaüs il y a déjà un moment. Voilà, donc Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Bon, apparemment, on avait dit aussi que c'était un huis clos, donc je suppose, apparemment, il y a un doute quand même, donc si vous pensez que ce n'est pas un huis clos, n'hésitez pas à me le dire, je le retirerai, tant pis, parce que les huis clos, c'est un peu vaste, au fait, on en a parlé, Alors, là, la quatrième. Oui, ben, ça va se passer donc lors d'une croisière sur le Nil. Donc, voilà. Je suppose qu'ils vont tout le temps rester sur la croisière. Donc, oui, ça peut être un huis clos, en effet. Il n'est pas très gros non plus, hein. Il fait 254 pages. Donc, voilà, ça peut être vite lu. Après, celui-ci. Eh ben, je l'avais acheté l'année passée parce que j'avais acheté le premier tome de Camilla Läckberg, je ne sais plus. J'avais acheté pour le Black November. Je l'avais cherché exprès. Et finalement, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Oui, c'est mal. C'est mal, imaginez-vous, l'année passée, j'ai cherché un livre exprès pour le Black November. Et finalement, je ne l'ai pas lu. Et puis finalement, je suis tombée à la ressourcerie sur ce petit cyanure. Je trouvais qu'il était tellement beau, avec sa couverture cartonnée. Et je me suis dit, waouh ! Et puis bon, la petite image, je suis tombée juste au moment de Noël. Alors imaginez, voilà. Bon, je sais que apparemment c'est plus un truc qui se passe à Noël. Mais bon, Black November, on sera quand même... allez, presque à la mi-novembre. Presque, je dis bien. Donc pourquoi pas. Apparemment, ça se passe sur une île aussi. Et tout ce qui se passe sur une île, personnellement, j'adore. Je sais pas, je sais pas. Je vous en dirai plus. Je pense que celui-là... De toute façon, je ne savais pas que c'était un huis clos avant qu'on en parle sur le groupe et sur le live de Séverine. Donc, voilà. Je pensais lire à Noël, de toute façon. Bon, maintenant, je vais voir. Donc, s'il n'est pas lu, ce sera Noël. Mais il me tente bien. Il me tente super bien. Voilà. Alors, ensuite, j'ai vu que... On parlait également de Sandrine Collette, Il reste la poussière. Je trouvais, il n'y a pas très très longtemps, oui, parce que j'ai pas fait mes book hauls, j'ai pas fait mes retours. Parce qu'à un moment, vous savez qu'il y a la bouquinerie du Sarc, qu'il y a Easy Cash qui ont ouvert, j'avais la voiture, et je me jetais presque toutes les semaines la bouquinerie du Sarc, Easy Cash. Voilà, donc, ben... J'achetais beaucoup, beaucoup, et je n'arrivais pas à faire les vidéos en temps et en heure, ça ne faisait limite que des book hauls, tellement j'achetais de livres, voilà, donc... Donc voilà, celui-là, je crois que j'ai trouvé la bouquinerie du Sar, Il reste la poussière. Moi, je l'avais payé 2 euros, franchement, bah ça vaut le coup, quoi. Et j'avais vu le nom de Sandrine Collette, et je me suis dit, tout le monde en parle, tout le monde en parle. On en parle beaucoup de Sandrine Collette, du coup, je vais tester, je vais le prendre. Et donc voilà, j'ai découvert que c'était un huis clos. Et c'est un huis clos qui dirait... Apparemment, ce sera un huis clos qui se passe dans une ferme. Enfin, apparemment, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Enfin, bref, voilà. Donc, les quatre que j'ai choisis pour le huis clos. Sachez que, hein, si je me fais... Si j'en ai quatre, c'est pour avoir du choix. C'est pas pour lire les quatre sur une semaine. Ça m'étonnerait très, très fort. Je peux très bien lire Cyanure et un autre. Je suis tout à fait d'accord, peut-être. Parce que, bon, mon rythme de lecture... n'est pas top en ce moment, et c'est justement aussi pour ça que j'ai envie de participer à ce Black November, pour faire remonter mon rythme de lecture. Donc voilà, si on a un de ces quatre que vous dites, que vous pensez que je dois lire avant les autres, qui vous tente plus qu'un autre, ben voilà, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire également. Voilà. Alors ensuite, ben pareil, la troisième catégorie, donc qui est du 11 au 17 novembre, c'est lire un thriller qui a été adapté en film ou en série. Je ne disais, je n'en ai pas...
J'en ai que les plus vieux ou qui vont pas nécessairement me tenter là tout de suite maintenant. Et puis finalement, bah, j'étais surprise de découvrir que j'en avais d'autres. Au départ, donc, j'en avais sélectionné un parce que depuis qu'on a les consignes, je commence à faire ma palle. C'est vrai que, mais bon, vous voyez, maintenant, je voulais vraiment attendre le live de Séverine, les petites consignes qu'elle avait mises dans le groupe pour dire de vraiment faire ma palle et me dire, tiens, je peux lire celui-là, je peux lire celui-là. Après, j'avoue qu'il y en a que j'aurais aimé lire, mais c'est pas des premiers tomes, donc je vais les laisser. Genre, juste ici, Adler Rosen, j'en ai trouvé un à la ressourcerie pour 1 €. Je l'ai pris, mais c'est pas un premier tome, donc voilà. Alors donc, celui que j'avais sélectionné au départ, c'est Les Rivières Pourpres de Jean-Christophe Granger. Voilà. Je ne me souviens plus du tout si j'ai vu le film. Franchement, je ne garde aucune idée. Bon, il fait quand même 409 pages. Donc, ben, je vais voir. Je ne vais pas lire la quatrième de couverture. Je sais très bien, oui, que c'est avec Jean Reno, que c'est. Je pense que je l'ai lu, mais je garde pas de souvenir de ce film, si je l'ai vu ou pas. Je crois l'avoir vu. Mais donc voilà, ben pour l'instant, je ne sais pas trop. Voilà. Peut-être que je le lirai, peut-être que ce sera pas celui-là. Bonne question. N'hésitez pas, hein, de toute façon, à me dire en commentaire. Celui-là, eh bien, faut vraiment que tu lis celui-là. Voilà. Je suivrai vos avis. Ensuite, j'ai choisi. Ne me demandez pas à cause de qui j'ai choisi celui-là. Je ne savais même pas qu'il avait adapté en film. Je ne connaissais pas ce livre. Mais qui est-ce qui en a parlé? Bah oui, bien sûr, c'est Séverine, quoi. Séverine a beaucoup parlé de Migal, de Thierry Jonquet. Et quand je l'ai trouvé à la bouquinerie du Sard, ben, il n'y a pas. Ça doit être pendant les vacances aussi, je crois. Ben voilà, ben, j'ai un peu craqué, hein. J'ai un peu craqué, j'ai fait confiance à Séverine et j'ai craqué les yeux fermés, voilà. Et comme je ne savais pas qu'il avait été adapté en film, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, ils en y va. Migal, ouais. Je pense que Migal, c'est sûr, je le lirai. Alors, celui-là, je ne savais pas non plus. Par contre, je l'avais vu dans un lien qui avait été partagé au tout début sur le groupe du Black November, je crois, ou sur le groupe Les Biens Solides, je ne sais plus. La fille du train. Alors, La fille du train, ouais, je l'avais trouvée déjà un moment, une brocante. Et ben, je ne sais pas pourquoi, je repousse toujours la lecture. Pourtant, ce livre, ben, il y a eu des avis positifs, il y a eu des avis négatifs, et voilà. Donc, je repoussais toujours la lecture en me disant, est-ce que moi, je vais aimer, est-ce que moi, je vais pas aimer. Il fait 452 pages. Et bah pourquoi pas, je testerai peut-être, ce sera peut-être l'occasion de le tester. Si je lis beaucoup, ce sera l'occasion de le tester. Après, ben, je pense que je devrais faire des choix quand même, parce que, oui, Miguel est petit, donc encore une fois, je pourrais en lire un autre à côté, mais pas un troisième, je pense pas, à moins de passer mes journées à lire, et je pense pas que j'arrive autant à lire. Je verrai bien. Voilà. Donc la fille du train, bah dites-moi si ça vous tente ou pas, voilà. Alors j'en ai rajouté donc un quatrième que j'ai depuis. Me demandez pas quand, je ne sais même plus d'où il vient. Plus du tout. Avant d'aller dormir de S.J. Watson, voilà. Celui-là, si vous ne le connaissez pas en gros. Ouais, chaque matin, donc c'est Christine qui a vieilli de 20 ans. Elle ne connaît ni cette maison, ni l'homme qui partage son lit. Et chaque matin, Ben lui raconte l'accident, l'amnésie. Ensuite, Christine lit son journal, son seul secret, et découvre les incohérences, les questions, tout ce qu'on lui cache chaque matin posément. Peut-être pour son bien, peut-être pas. Voilà, donc encore une fois, j'ai vu qu'il avait été adapté au cinéma, donc bah, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, ça fait. Je sais, ça doit faire un moment qu'il est dans ma palle. Ça doit faire un bon moment. Bon, on arrive déjà donc à la quatrième consigne du 18 au 24 novembre. Lire un thriller dont vous n'avez jamais lu l'auteur. Bon, on va lire franchement. Influencé un peu par Séverine, hein. Je sais pas pourquoi, dans ces challenges, j'ai tendance. En plus, il y a des livres, faut que je vous le dise. Je ne savais même pas qu'ils étaient dans ma palle alors que je les avais achetés cet été.
faut le faire. Au fait, ce qu'il y a, c'est que je les ai achetés, puis j'ai pas fait de book haul. Du coup, ils sont un peu sortis de ma tête, ils sont un peu sortis de ma tête que je les avais. Et voir Séverine en parler, je tombe dessus, je me dis, il faut que je lise. Alors, on va commencer. Donc, il y a certainement certains livres donc, que vous avez vus dans ma vidéo précédente, dans mon book haul, mais je me suis dit, pourquoi pas les ressortir directement pour les Black November, plutôt que d'attendre encore un an, 2 ans avant de les lire, quoi. Alors, tout d'abord, il y a donc Tu n'es pas aimé de Jean-Pierre Bocquet. Donc, c'est une inquiétante mélodie à Bredune. Ça se passe à Dunkerque. Apparemment, à Dunkerque, Anne, j'ai dû la tuer, donc voilà. Si vous avez vu mon book haul, donc vous voyez à nouveau ce livre, voilà. Je l'ai acheté à Templemar, je n'ai jamais lu Jean-Pierre Bocquet. Donc ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion, j'avoue que je suis assez intriguée par ce roman. Ça fait un moment que je suis intriguée par ce roman, donc voilà, je n'ai jamais l'occasion d'aller le prendre à l'auteur quand je le vois en salon, parce que je suis toujours à court de budget. Donc voilà. Un livre que vous n'avez jamais lu. Bon, après le prochain, on va dire que j'étais un peu influencée, en sachant que on parle beaucoup des refuges dernièrement. Je ne vais pas m'acheter les refuges parce que des grands formats, du neuf, j'achète vraiment pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais rencontré Jérôme Loubry à Lens et je lui avais pris Les Chiens de Détroit. Donc voilà, je n'ai jamais lu Jérôme Loubry. Non, non, jamais. Oui, c'est peut-être un tort, voilà. Ce sera l'occasion d'y remédier. Et je lirai Les Chiens de Détroit. J'avoue, je suis assez curieuse de le découvrir, surtout après tout ce qu'on dit sur les refuges et tout ça. Est-ce que celui-là sera aussi bien? Est-ce que moi je vais l'aimer autant qu'on parle des refuges? Voilà, j'avoue que il m'attire pas mal. Ça se passe à Détroit en mars 2013, dans une ville qui a été la gloire de l'Amérique et qui n'est plus qu'une ruine déserte, un cimetière de building. J'ose pas trop en lire parce que voilà, j'ai envie de garder la surprise. Je suppose que beaucoup le connaissent en plus, donc voilà, je vais me garder la surprise à moi. Et je pense que je vais le lire. Alors ensuite, j'ai mis ces deux derniers choix, entre guillemets, là, dans la quatrième catégorie. Parce que je sais que ceci, si je ne le lis pas, je pourrais les passer dans la dernière catégorie. Alors pareil, je l'ai acheté à Lens au mois de mars. Ils étaient 5 de Sandrine Destombes. Je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion. Et si je ne lis pas la quatrième semaine, je pourrais le lire la cinquième semaine. Donc c'est parfait. Je vous parlerai après de la cinquième semaine, mais vous comprendrez pourquoi je pourrais le lire à la cinquième semaine. Oui, c'est le capitaine Antoine Brémond qui observe un puissant, un inconnu se faire torturer. Ah, apparemment, oui, on lui a envoyé une vidéo, un SMS où on lui explique où se trouve la victime et tout. Donc voilà. Enfin, je veux pas en trop savoir, voilà. Donc ils étaient 5. Ce qui est bien, c'est que j'en ai deux là. Là, j'en ai choisi deux. Donc si j'arrive à lire les deux sur la semaine et que j'arrive à lire les trois sur la dernière semaine, on sait jamais. Sauf que oui, je vais faire mon infiltration sous anesthésie la dernière semaine, donc voilà. Soit j'arrive, soit je ne ferai ça que ça à lire parce que je devrais rester allongée. En fait, je n'arriverai même pas à lire tellement je serai fatiguée. Bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, on est toujours dans lire un thriller dont vous avez vu l'auteur. Oui, je n'ai jamais lu Sandrine Destombes non plus. Oui, voilà, c'est comme je vous dis, le thriller, j'ai plein de choses, de polar thriller, j'ai plein de choses à découvrir encore. Voilà, et c'est vraiment, vraiment l'occasion. Donc, ils étaient 5. Alors, celui-là, quoi, j'ai retrouvé dans ma palle. Et suite à une story que Séverine avait fait. Donc, je l'ai acheté cet été, pareil. La bouquinerie du Sar, Maud Tabachnik, le cinquième jour. Je pense que celui-là, je vais le lire. Je vais le lire aussi parce que ce sera peut-être dans la cinquième semaine, dans la quatrième semaine, je ne sais pas trop. Mais je vais le lire. Je ne lis pas la quatrième de couverture.
Je ne vous en dirai rien, parce que je veux pas savoir. Voilà, mais Séverine a parlé qu'elle l'avait repris à la médiathèque, je pense, pour le relire, donc parce que ça avait été un roman qu'elle avait vraiment, vraiment aimé. Apparemment, il est assez gore, mais moi, c'est pas, ça me fait pas trop peur. Bon, à part, malheureusement, un peu depuis la dernière exception, là, de ma lecture en cours, mais bon, voilà. Donc, j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir. Et encore une fois, trois mots, donc je pourrais le lire dans ma prochaine, dans la prochaine semaine. Alors, donc ensuite, on passe du 24 au 30 novembre, lire un thriller dont le titre contient trois mots. Voilà, donc je vous disais, ils étaient cinq, le cinquième jour. Si je suis en plein milieu de l'un, bah tant pis, je le continuerai pour la semaine d'après. Je dois pas me dire, je dois avoir fini à tout prix ma lecture pour pouvoir lire l'autre. Voilà, donc c'est très bien, j'en ai déjà deux. À mon avis, je ferai en sorte de pouvoir partir d'une semaine sur l'autre, voilà, comme ça ce sera plus simple. Et ensuite, donc il y a, oui, je vous l'ai montré dans le book haul aussi, mais ce polar, ça fait un moment que je suis amie avec Christophe Dubourg sur Facebook. Et voilà, ce polar, je le vois à chaque fois, il en parle. J'avais jamais l'occasion, enfin si j'avais l'occasion de rencontrer Christophe Dubourg à Douai, malheureusement c'était vraiment pas le moment, je pouvais vraiment pas lui prendre son polar. Et là, j'ai eu l'occasion de le revoir à Templemar. Je lui avais promis de le prendre, je lui avais promis. Et voilà, maintenant, je pourrais lire La méthode Venturi. J'avoue que je suis curieuse parce que j'ai vu des bons avis passer dessus, donc ça passe ou ça casse en Normandie. Prisonnier de cinq individus aussi mystérieux qu'autoritaires, le capitaine Venturi subit un interrogatoire sévère. Ouais, déjà ça, hein, la première ligne, ça en dit beaucoup. La quatrième de couverture, mais je pense avoir plus. De toute façon, celui-là, je le lirai. Bon, il est un peu gros, j'espère que je pourrai le lire. Il fait 389 pages, ça devra aller. Bon, je vous dis, le problème, c'est que je vais faire mon infiltration le... Je crois que c'est cette semaine-là, je sais plus, le 26 novembre, si je ne me trompe pas. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est ça. Le 26 ou le 29? Ce serait mieux que ce soit le 29, comme ça j'aurai le temps de lire plus. Et puis bon, comme je vais devoir rester quelques heures à l'hôpital, bon, si tout va bien, je prendrai un livre pour m'accompagner. Je prendrai ma lecture en cours pour m'accompagner. Bon, voilà. Bon, vous savez, je vous ai montré tout ça. Je vous le dis clairement, je ne lirai pas tout ça parce qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va dire 12 livres, plus les recueils de nouvelles que là je peux choisir comme je veux. Il y a quand même 12 livres, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, il y en a des plus petits, je suis d'accord, mais 12 livres sur un mois, ça va faire beaucoup, beaucoup. Je pense pas que j'arriverai à lire autant sur un mois. À moins vraiment que je dégomme les bouquins, mais on verra. On verra. Bon, en tout cas, sachez que tous ces bouquins que je vous ai montrés, s'il y en a un que vous voulez que je lise en priorité pendant la semaine qui est là, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'inspirerai aussi de vos commentaires pour commencer un livre ou l'autre, parce que j'avoue que pour l'instant, je suis assez encore à me dire, mais par lequel je vais commencer et tout, c'est un peu. Je pense que j'aurais joué à Pouf Pouf pour commencer un livre, parce que franchement, ils me font tous envie. Mais c'est compliqué. Donc surtout, n'hésitez pas. Et voilà, si vous voulez participer au Black November, le groupe sera également mis en barre d'infos. Je pense que les consignes ne sont pas si compliquées que ça finalement. Donc voilà, lire un thriller dont le titre ne contient que trois mots, vous devez avoir... Si vous aimez thriller et que vous avez une palette énorme, vous devez avoir ça dans votre bibliothèque. Un thriller que vous n'avez jamais, dont vous n'avez jamais eu l'auteur. Avouez qu'on a tout ça dans la bibliothèque. Franchement, là, j'ai dû faire un choix parce que j'en avais encore. J'ai dû faire un choix hein, parce que le thriller dont j'aime l'auteur, j'aurais pu vous en présenter une pile. Un thriller adapté en film ou en série, je pense qu'on a plus
plus ou moins tous ça aussi, au moins un qu'on n'a pas lu. Un thriller qui se passe en huis clos, bon, bah ça, je vous ai donné un petit peu quelques pistes. Je pense qu'on a tous un Agatha Christie dans sa palme, il me semble. Enfin, après, je peux me tromper, mais je pense que les huis clos, il y en a tellement. Je me rendais même pas compte qu'il y en avait autant, donc je pense qu'on a plus. Et puis, bah, un thriller qui ne soit pas un roman, BD, manga, comics, nouvelles, recueil de nouvelles, voilà. Je pense qu'on a tout ça aussi dans sa palle, donc ben voilà, si vous portez, si vous hésitez sur les consignes, je pense que il ne faut pas regarder le groupe, regardez votre palle, votre bibliothèque, et vous trouverez votre bonheur. Je pense. Voilà, sur ce, je vous laisse. Donc tout le mois de novembre, enfin tout le mois de novembre, pas tous les jours au mois de novembre, mais tout le mois de novembre, donc on se retrouvera. Avec des vlogs. L'idéal, ce serait que j'arrive à faire un vlog et le publier à la fin de la semaine. Mais si j'ai un petit vlog, ça va. Mais si, bah, si j'ai un petit vlog de 5 minutes, ouais, j'aimerais bien. Mais ça, bon, en même temps, ça fait pas trop court. Hein. Pour vous, ça sera vite regardé. Mais si j'ai un vlog d'une heure pour une semaine, ça va être compliqué, compliqué. Bon, par contre, du coup, ces livres, Hop, je bafouille. Ces livres, je les ai choisis. J'essaierai de faire un vlog donc en fonction de ce que j'ai lu. Si j'avance bien et tout, je vous ferai un vlog tous les jours. Comme ça, ce sera plus simple. Enfin, je vous vloguerai tous les jours, mais je vous mettrai le vlog plus tard. Mais je ne redonnerai pas mon avis sur ces livres. Les vlogs serviront d'avis, voilà. Je pense parce que sinon, j'ai pas fini si je dois faire un vlog. Plus encore après redonner mon avis sur le livre. Surtout les recueils de nouvelles, je pense que c'est bien faire le vlog. Comme ça permet de. Vraiment, bah. De donner son avis sur la nouvelle. Sur le coup, voilà, j'ai lu une nouvelle, je fais un petit vlog et puis voilà, rapide, voilà. Je trouve que c'est bien. Oui, bon, je m'emporte encore une fois, je papote beaucoup. Mais je tiens énormément à ce challenge, si vous saviez. Franchement, mais c'est. J'y tiens, mais. À un point, c'est le challenge que j'attends vraiment le plus sur l'année. Franchement, oui. Le Black November, si vous aimez les thrillers et que vous n'en lisez pas beaucoup sur l'année et que c'est un truc qui vous tient à cœur, bah n'hésitez pas à venir participer au Black November. Franchement, moi, c'est un challenge que je fais pour la deuxième année et je le suivrai tant qu'il existera, ça c'est certain. Sauf si une année. J'ai un problème qui me permet pas d'y participer. Mais je sais très bien que, vu les thrillers que j'ai dans ma palle, il n'y a pas de souci. Les consignes me permettront toujours de trouver des thrillers. Allez! Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt. Normalement, je vais vous mettre une vidéo de coloriage, mais j'ai préféré d'abord vous mettre ma vidéo sur le Black November. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo présentation d'un livre de coloriage. Et puis, ben, je vais recommencer petit à petit les chroniques aussi. J'ai beaucoup, beaucoup de chroniques à vous présenter. Donc, je vais recommencer petit à petit les chroniques. Parce que là, maintenant, je n'ai plus de boucle à faire. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus. Si j'ai un challenge à vous présenter encore. Pour ce challenge, il faudra être au rendez-vous le 15 novembre. Le 15 novembre sera la date où je vous présenterai ce challenge. Vous comprendrez pourquoi, parce que c'est un challenge qui commence le 1er janvier, mais moi je ne veux pas, on m'a dit ne lance rien avant le 15 novembre, parce qu'après c'est beaucoup, ça va être beaucoup trop tôt. Donc voilà, vous savez, le 15 novembre, soyez à l'affût, il y aura un challenge. Un super challenge qui me tient énormément à cœur. Créé par Bibi! Je vous expliquerai en gros le challenge, je ferai une belle vidéo et il y aura un groupe sur lequel je vous renverrai. Voilà. Je vous en parle un peu plus pour l'instant parce que là pour l'instant on est dans le Black November. Vive le Black November, vive les thrillers! Les thrillers c'est la vie! Oui. 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 C'est celle qui ne lisait que de la romance qui dit ça maintenant. Eh ben oui, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Allez, sur ce, je pense que j'ai assez blablaté. Je m'emporte tellement, tellement, tellement sur ce Black November. Oh! Mais il faut que j'arrête. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien.
Je vous souhaite de bonnes lectures. Et surtout, si vous participez au Black November, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire aussi. Voilà. Tout comme j'attends vos commentaires sur les livres que vous avez préférés dans ce que je vous présente pour m'aider à choisir mes lectures. Allez, c'est fini là. Bonne lecture, portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo. Bye bye!